c'était quoi ça? Un tremblement de terre? Ça va? Je comprends pas. Ah, un violent mal de tête. Ça va mieux? Ouais. C'est passé. Oh. Gladio! Iris! Formidable! Qui aurait pu croire qu'on se retrouverait ici? Eh ben dis donc, t'as l'air en forme! Mes pauvres, vous devez être épuisés. Dites, vous allez rester un peu? C'est ce qu'on a prévu. Quand t'auras une minute, faudra que tu me racontes tout. Ok. Salut tout le monde, c'est Kirito Knight 064 et on se retrouve pour la suite de votre Let's Play sur Final Fantasy XV. On est parti. Content de te revoir, Jared. Et toi aussi, Talcott. Prince Noctis, t'inquiète pas, je protège Iris. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas inculqué l'étiquette à mon petit-fils. Y a pas de mal. Ces mots nous vont droit au cœur, Votre Altesse. Nous nous retirons avec votre permission. Prince Noctis, passe une bonne nuit. Iris, dis-moi, il y a eu beaucoup de dégâts? En fait, la citadelle et ses environs ont été bombardés. Mais de nombreux quartiers de la ville sont restés intacts. L'Empire visait donc bel et bien des points stratégiques. Franchement, si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? En fait... j'ai entendu une rumeur. Les gens disent qu'ils ont vu Dame Luna Freya en ville. Mais il paraît qu'elle est repartie aussitôt. En tout cas, elle allait bien. Ça me rassure. Merci. Bon ben, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, on a eu quelques précisions sur l'attaque d'Insomnia qui s'est passée au début du jeu. Quelques petits éclaircissements avec des extraits tirés du film Kingsglaive, pardon, Final Fantasy XV, le lendemain matin. Debout, gros paresseux! Salut, où sont les autres? Ils sont partis faire une balade avec Talcott. La ville vaut le coup d'œil. D'ailleurs, tu veux la visiter? Ouais. D'accord, ouais, bonne idée. Tu vas voir, je suis un bon guide. Ça valait le coup d'attendre qu'il se réveille. Allez, promenez-vous bien. Allez, comme à l'époque. On va commencer par visiter le marché. Ça te dit? Eh ben, allons visiter le marché. Mais cours pas si vite. La nuit... c'est vraiment un endroit superbe ici. C'est vrai. Bon, on l'a vu en arrivant, oui, c'est vrai que c'était pas mal. Bon, je sais que Noctis et Iris sont très proches quand même. Ça a été décrit dans l'anime Brotherhood Final Fantasy XV, un anime en 4 ou 5 épisodes, je me souviens plus exactement. C'est le marché de Partelum. Ils ont tellement de choses. C'est sympa, non? Si je pouvais, j'achèterais tout. Si on jouait au blasé. Ah, ça me tente. Ouais, oh, c'est passionnant. Oh, tu pourrais quand même faire semblant d'être content. Waouh, t'as vu tous ces produits? J'en avais jamais vu autant. Dis, tu peux me laisser regarder? Une seconde. Terminé. Bon, maintenant, la centrale. Alors, allons à la centrale.
Oui, donc je vous parlais du dessin animé Brotherhood Final Fantasy XV qui se passe quand Noctis et ses amis sont enfants. Enfin, c'est plutôt des flashbacks sur leur enfance pour mieux cerner leur personnalité. Un animé très très bien fait quand même. Bon, avec pas un gros budget, mais bon, il reste correct à voir. Après, vous enchaînez avec le film Kingsglaive et vous faites le jeu Final Fantasy XV et vous êtes prêt et armé pour faire le jeu. Ouais, je crois que c'est ça la centrale. Ouais, c'est ça, pas de doute. C'est gigantesque. Voilà la centrale électrique. C'est de là que les Stalum tirent sa richesse. Ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a que des filles dans cette centrale. En fait, j'ai découvert que ce sont les femmes qui font tourner les Stalum. On l'encourage ? Allez. C'est l'endroit idéal pour toi. Tu serais une vraie star ici. Tu penses aussi ? C'est différent de chez nous, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. C'est cool! Ok, on y va. Allons voir un beau panorama. Là où on a garé la voiture, je crois. Je crois qu'il y avait une sorte de point de vue. Avec des jumelles et tout, non? Je crois qu'il y en a par là. Leurs maisons sont différentes des nôtres, mais elles ont un certain charme. Oh. Moi, tout ce que je vois, c'est des tuyaux partout, perso. Tuyau jaune, tuyau bleu. Oh, un tuyau jaune. Ah, ben des tuyaux bleus. Non, sérieux. C'est plus grand que ça en a l'air, hein. À l'occasion, ouais. Alors, c'était pas une... Ouais, on paiera une bière à Gladio. J'aimerais tellement faire un tour en voiture. Ouais, pourquoi pas. On sent le prince légèrement agacé. Bon, elle y aura droit, oui, à son tour en bagnole. Voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Ici, c'est le belvédère de Peglar. Regarde là, on peut voir le météore. Noct, j'ai l'impression qu'on a un rendez-vous en amoureux. On est fiancé à Luna. C'est peut-être pas le moment de faire le con. Non. Hein? Quoi? Tu délires? Quand même, tu pourrais au moins jouer le jeu. Les autres ont dû rentrer à l'hôtel. Ah, je veux bien jouer les jeux, mais si jamais elle l'apprend. Je sais même plus ce que j'avais fait sur ma première partie. Je crois que j'avais même pas joué le jeu non plus. Je sais pas ce que ça fait si on joue le jeu. Bon, ça doit pas changer grand chose scénaristiquement. Ouais. Il a l'air tellement emballé, notre prince. Ah là. Ça va, oui? Je me demande si les autres sont déjà rentrés. On s'était plus promenés comme ça depuis notre enfance. C'était sympa. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on peut approuver. T'as raison. C'était cool. Merci à toi. T'es gentil. C'était bien de nous changer les idées. Enfin, bref, ce que j'ai acheté, c'est un cadeau pour toi. Mais comme c'est une surprise, tu vas devoir attendre.
Bah alors on va attendre, si je te dise. Ah, les revoilà. Allez, vas-y mon petit Talcott. Dis-leur ce que tu m'as raconté. Ok, mec. Talcott, un peu de respect. Pas besoin de manières, je ne suis qu'un citoyen. Je vais parler d'une légende qui dit que l'épée d'un roi a été cachée derrière une chute d'eau. Cela a peut-être un lien avec les tombeaux royaux. On a qu'à aller voir ça. Bien sûr. Merci pour l'info, Talcott. Y a pas de quoi. Une épée cachée derrière une chute d'eau. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la grotte de glace. On l'a fait là dans cet épisode, la grotte de glace, ou on se fait des quêtes annexes? Mitigé. L'hôtel Leville. C'est un bien bel endroit toujours. Donc, t'as mal au crâne quand ça tremble. Ouais. Une sorte de choc sismique sur l'organisme. Curieux. Oh, cherche pas, tout est bizarre de toute façon. Oh, de la musique. Ouais. C'est cool, mais... Qu'est-ce que tu vends, toi? À la prochaine. Dis, Noct, t'as vu ça? C'est quoi? Avec tous ces tremblements de terre, j'espère que le sol est con. Ça me donne envie de boire un coup, moi. Eh ben, prends-en une, alors. Ok. Tout à l'heure, on trouvera un bar. Et je parlais pas de bière pour Gladio, moi, tout à l'heure. Bon, ça c'est comme le coup de Ignis et les cuisses de crapaud, dans le steak de crapaud, dans l'épisode précédent. Journal de l'oracle, vous mettez sur pause, vous connaissez la chanson. Il y a de jolis souvenirs. Bon, le planning de la suite de l'épisode. On va prendre des quêtes annexes, parce que je crois qu'il y a un point d'interrogation là en bas. Je crois que c'est le photographe qui est là en bas, les quêtes photos. De Diz, Wiz, oui, non, oui, c'est les chocobos. Vive, je crois que c'est Vive qui s'appelle. Le photographe. On va prendre sa quête, on va peut-être pas forcément la faire. Et on va gentiment se diriger vers la grotte de la cascade. Pour la suite du scénario. Il est vilain. Mais c'est vous les fameux chasseurs qui viennent d'Insomnia? Eh oui. Oh, c'est terrible, tout ce qui s'est passé là-bas. Si vous avez besoin d'un peu d'argent, n'hésitez pas à collaborer avec moi. En vérité, j'aurai une petite mission à vous proposer. Alors? Eh ben, parle. C'est quoi comme boulot? Un job facile. Il faut juste prendre quelques photos du disque de Kotes. Une vue du sud et du nord. Ouais, c'est faisable. Quoi?
Vraiment? Oh, vous me sauvez la vie. Oh, il vous reste plus qu'à trouver un appareil photo. C'est bon, on en a un. Oh, vous êtes équipé? Oh, quel garçon prévoyant. Va bien, hein. Revenez vite me voir, hein, une fois les clichés en poche. Ce mec, c'est la caricature du photographe américain par excellence. Qui prend pas soin de lui, bonjour l'hygiène. Parasé, long tignasse, oh là là. Sa proposition mérite réflexion. Hein? Pourquoi? Yangui Souroche, c'est beaucoup trop facile. T'inquiète, on verra sur place. Ça vaut peut-être le coup d'aller inspecter là-bas. Quoi donc? Qu'est-ce que t'as vu, toi? Qu'est-ce qu'il a vu encore? On essaye ça? Ouais, si tu veux. Si tu veux. T'as pas appris la recette? Bon, et on va se remettre en route. Par contre, la nuit tombe. C'est vraiment étonnant. Les gens du coin sont très ouverts. Ouais. Tout le monde te dit bonjour ici. C'est un peu déstabilisant au début. Tu m'étonnes. On se fait plus remarquer que chez nous. C'est marrant quand même. Bien, l'objectif donc c'est d'atteindre le point avant la tombée de la nuit. Autant vous dire que c'est pas gagné. Un petit prélude ? Allez. Histoire de se mettre dans l'ambiance. Comment il peut y voir avec un pare-brise aussi destroy ? Ça me perturbe aussi d'avoir le marqueur là-bas au fond, mais j'arrive pas à l'enlever. Ce panorama, ce paysage, ces décors. Le ravin du DLC de Gilgamesh, de Gladio. Le volcan, je vous le ferai peut-être aussi le volcan. Ouais, ça peut être sympa que je vous fasse lire. Les autres donjons à la fin du scénar. Avec les quêtes qui vont avec. Roulons vers notre destination. Roulons en surveillant la jauge d'essence. Oh mon dieu, j'y ai pas fait gaffe, mais ça descend. Faudra faire le plein prochainement, je pense. J'ai tourné là sans vraiment savoir s'il fallait tourner là. Hein. J'ai même pas regardé la carte. Pour moi, ça me paraît logique que ça soit par là. J'ai peut-être dû laisser Gnis conduire. Allez savoir. J'ai plus beaucoup de jours de location de Chocobo non plus. D'ailleurs, je m'en sers pas des masses. C'est pas donné, n'empêche. Les 7 jours, c'est 250, je crois. Ou c'est moi qui suis radin, peut-être. C'est peut-être pas impossible. Roulons vers notre destination. Toujours regarder à l'horizon. Et plus tard, nous volerons vers notre destination. On prend à gauche, si je dis pas de bêtises, sans se prendre la rambarde, merci. Ouais, la nuit est déjà là, oui. Ouais, on est presque arrivé. On va se garer là, tiens. Allez. On fait quoi maintenant? On interroge les habitants? C'est Noct qui décide.
Comme d'habitude, on check le magasin en arrivant. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, du parfum. Fourré de Malham. De toute façon, je crois que le scénario nous y fait passer au fourré de Malham. Congélateur. Oh, les chips. Hein? Hé, vous avez vu l'objet par la fenêtre? Chips au fromage. Fromage de brebis. J'en ai jamais mangé avec ce goût-là. T'as qu'à essayer. Ça fait un petit peu trop de calories pour moi, quand même. Si tu le dis. Oh, il est délicat. Depuis quand les chips, c'est calorique? La pêche. Bon, vous mettez sur pause. C'est pas... Ouf. Bienvenue au magasin. Qu'est-ce que t'as en stock? De toute façon, moi je fonctionne qu'aux élixirs. Merci. Les potions, c'est pas super utile. On en prend un peu, histoire de... Oh, les objets clés. Ouais, c'est pas super donné. Allez, on prend tous les souvenirs. D'ailleurs, vous savez si via mise à jour ils vont rajouter des musiques dans la bagnole? Je lui prends ça aussi. Ouais, ça peut servir de toute façon. Au plaisir. Eureka. J'ai pensé à une nouvelle recette. J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Je viens de te l'acheter, la recette. Hein. T'as rien pensé du tout. On va faire dodo là, mais peut-être pas dessus. Oh, l'objet qu'on a vu par la fenêtre. J'y pensais plus. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Bien sûr qu'il y a des trucs. Quelle est l'utilité de mettre ce genre d'informations? Je veux pas la description, je veux l'objet, moi. Allez, vous connaissez pas la dernière, hein? C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Final Fantasy XV. C'était Kirito Knight 064, alias Kirito. Encore King's Knight? Tu vas regretter ta proposition. Je peux pas vous laisser perdre tout seul. Moi je vais vous laisser perdre tout seul. À la prochaine. Ma sœur, j'ai vraiment fini par aimer cet endroit. Quel sens de la composition? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas surtout à faire partager cette vidéo, à la commenter, à la liker ou alors à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas déjà été fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, des let's play, du gameplay, etc. etc. C'était Kirito Knight 064, alias Kirito.